La police nationale d'Haïti lance opération pour craser gang dans zone métropolitaine nan. Pral gang pile frappe kap bay nan jougé pou vin la yo. Par conséquent, ça me jeune comme information. Nèg oligarque cementé sous vie yo, fok nomi Ramo, jeune sniper pour mener opération dans Badelma pour fusiller barbecue. Messieurs dames. L'important jodiyan pour que nous dis bagala Jean lié pour ne pas passer par quatre chemins. Nous besoin éliminer barbecue, pas vrai? Nous besoin éliminer nos des chefs de gang. Non mais Ramo pas qu'à prédicter dans des oligarques corrompus pour aller fusiller moun. Ça qui est important pour nous. Non mais Ramo comme chef de la police, li doit planifier opération pale selon lui-même avec équipe li pour éliminer gang dans la zone métropolitaine. Mais par conséquent, pour éliminer gang nan, est-ce que le pas important pour limiter action gang d'abord? Comment on capable éliminer gang nan? Est-ce que le possible pour ces même nèg cap vendre gang nan cartouche lan et puis cap voyer ou même comme chef de la police à faire opération dans base gang nan? Nèg ou kon marché qui générer en pile l'argent dans pays, qui fait rentrer en pile l'argent. C'est marché cap vendre cartouche là pour le moment. Nèg vendre cartouche 5 ampé. Yo c'est gros client barbecue. Yo c'est gros client ISO. Yo c'est gros client vite l'homme. Yo c'est gros client la mons en jour. Si la police parle tirer avec barbecue, ça veut dire que yo ka passe 2 3 jours pas vendre on 3 4 500 000 dollars américains balle. Ça veut dire qui ça? Comme si n'yo ka n'yo décider pour faire on demi million de dollars américains dans cartouche dans zam dans pays chaque jour. Si la police parle une opération dans zone métropolitaine nan, pour péter balle avec bandi, cartouche pas vendre. Parce que chaque club barbecue fin pété balle avec la police, bon, 1 à 2 heures du matin, et mes cartouches sont sortis de Pétionville, descendent dans le ghetto. Et qui est-ce qui transporte encore? C'est les policiers qui transportent à jeune base gang. Est-ce que nous comprenons? Je veux dire, si nous avons une opération pour nous fuser barbecue, pas de problème. Si nous avons une opération pour nous fuser ISO, pas de problème. Si c'est le problème, nous. Mais par conséquent, faut moi, nous cherchons sniper tout pour nous fuser André Michel tout. Fon wè, n'a pas cherché sniper pour nous fuser dans le cas tout, parce que yo c'est chef de gang. Yo c'est des gangs qui fusillent mon pays. Et de fait, yo tue président. Faut que yo mouri tout. André Michel pas arrête là pour nous chercher tout et viter l'homme seulement. Viter l'homme innocent, c'est cavalier Paul Kahn, André Michel, nos époques. Viter l'homme innocent, c'est cavalier Paul Kahn, Don Kato, Chila Ludor, et Valier Beauplan, nos époques. Parce que yo te conchita sous même table pour définir même stratégie. Pour qu'à de comment? Pour tout le monde dans la zone métropolitaine, pour mettre la tête en bas, pour rendre président pas qu'à diriger pays. C'est même Mounio, c'est même équipe. Yo. Si nous avons cherché stratégie pour nous fuser vite l'homme, il faut jouer des snipers tout. Faut la police qui sniper là dans tout cap de Michel, coule pas être prêt dans la chambre d'hôtel, dans chambre d'hôtel, pour vider la tête tout, parce que c'est même Mounio, c'est même Kabout Tomazo, c'est même Volo, c'est même gang. Yo. Ça veut dire qui ça? Tout vite l'homme qui tenait le cassis, c'est dit que dans 2-3 ans, ou pas le 3-4 vite l'homme qui produit. Parce que Nenel Kassi, c'est industriel. Tout yé, Nenel Kassi, qui te patron Renault Dib, c'est dit que dans 2-3 ans encore, ou pas le l'autre Nenel Kassi. Ça veut dire que c'est 3 étapes que lié. C'est 3 étapes que lié. Et je veux dire, faut que nous ayons les chats là dans nous. Faut que nous ayons les chiens dans nous. C'est son groupe de nez qui finit avec un pays. Ou pas qu'après une pour quitter l'autre. Les États-Unis d'Amérique. Le Canada, Nations Unies générales, prend sanction contre des hommes d'affaires qui n'ont pays. Parce que, yo joue une bonne information avec des preuves tangibles que nèg sa yo a baïzam dans quartier populaire. Que nèg sa yo a baïzam avec jeunes garçons dans tout petit coin dans le pays. Que nèg sa yo impliqué dans financer mouvement pour tout le monde dans le pays pour rendre le pays invivable. Blanc prend sanction contre les gens. Ou ka imagino? Écoutez. Ou ka imagino? Yo nèg. C'est lui qui a fait importation du riz dans le pays pour plus passer 800 millions de dollars par année. L'a importé du riz pour le vendre tout au pays. Et puis, nèg sa encore lui-même, dans la bataille, ça nous capable de concurrence de loyal. Il y a des jeunes garçons, nous sommes des quartiers populaires,
plus capable faire bataille entre eux pour l'autre pas trop intérêt, pas trop avantage sur l'autre. Et puis qui est qui victime? C'est jeunes garçons yo. Même dans le secteur privé, il y a un trafic d'organes dans le pays. Ça veut dire qui ça? Yo fait groupe gang ça, kidnapper des jeunes garçons pour yo, des jeunes filles pour yo, et puis vin prendre rien yo, vin prendre poumon yo pour aller vendre avec étranger. Et yo faut connait dans affaire vendre rien, vendre cœur. Yo qui doit essayer n'importe cinq moun là, son grain rem dans de ki bon. Son grain rem dans de ki comme si ndadjou, comme si y a trier rien ki bon. Y a démonté ici pièce par pièce comme motocyclette, tant que pièce bicyclette pour aller vendre avec étranger. Ça veut dire qui ça? Yon Haïti t'a respiré dans le pays d'Haïti. N'a yon fait le suspendre respirer. Yon fait qu'elle suspend bat en Haïti. Yon rache que li pour elle faire qu'elle bat en dans un corps chinois. Ça veut dire que Haïtien sa kèl te konre Haïtien. Mais que ça, kounya, yon démonte yon démonter le sou Haïtien. Yon al mette l'an dans un chinois pour que ça le remè. Yon chinois dans le pays de la Chine. Trafic ça fait en Haïti. Par l'État dans le pays d'Haïti qui j'aime à mesure pour que li mette un frein dans l'action ça. Ariel Henry, pour l'histoire et pour la vérité, te reçu, Dieu parole pour pays, dans 78e Assemblée Générale, Nations Unies qui te fait, année passée dans New York. Ariel te dit, trafic d'organes dans la fête dans le pays, faut que li gon frein. Et li bel et bien existe. Tout le monde connaît ce qu'a fait. DCPJ pas capable au courant. Mais par conséquent, moun yo gen gros nom. Yo kite yo, ap demoli pièce, ap demoli haïtien, pièce par pièce. Ministère qui a protégé nèg qui a fait trafic d'organes dans le pays, c'est le ministère qui a fait affaires en Guya. Ah, on va le dire, oui, c'est vérité. C'est même nèg qui est dans un Guya, qui de connivence avec groupe gang qui a kidnappé les gens, et puis qui a des médecins qui parlent espagnol, Mbadio Dominique, qui a des médecins qui parlent espagnol, qui a venu racher les jeunes garçons haïtiens, qui a venu racher les jeunes femmes haïtiennes. Ka vin rache ke moun nan bas gang yo parce que gide moun ki yo kidnappé yo fè fami yo bay rançon an c'est pour la forme yo pran moun sa pa jam tande encore parce que moun sa gite en departia fouye tout mete kòb boule kòa premier groupe gang nan pays an ki te commence avec pratique ça c'est les gang 400 Maozo avec Clamo Sanjou et m'a dit monsieur ça yon nou ki condamné pour passer plus passer 30 ans dans prison États-Unis an li bay information avec juge américain yo. Ça veut dire que ça, autorité américain, qui a des preuves dans yo, et que vous connaissez qui est-ce qui est trafic d'organes dans le pays. Tôt ou tard, après descendre des lieux qui ont fait dans le pays, y a marre un pile nèg. Un pile qui riche, qui vivent en Dominicani, des trafiquants d'organes. C'est des Haïtiens qui ont connivence avec des oligarques corrompus, qui ont trafic en Haïti. Y a un zangi tout. Well, madame Beto, comment on fait quitter le pays d'Haïti avec organes? Eh bien, al cheke pour connaître comment on quitte le pays avec zangi. Et puis tout d'abord, ou ap konne si se pas sous couverture zanguien qui yo kite pays avec Raymond avec quel monde dans pays ya. Ça veut dire qui ça? Nan partage gâteau ka fait nan pouvoir. Yo bay Moïse Jean-Charles ministre de l'agriculture. Moïse Jean-Charles tout vend ni pour près de 3 millions de dollars américains avec nèg ki nan zangui. Ça veut dire qui ça? Indirectement, Moïse Jean-Charles manger l'argent organe nan, manger l'argent criminel nan, manger l'argent gang nan. Moïse son nèg mouno kap dwe prèl. Prendre sous place publique au cap haïtien. Monsieur son méchant. Comment t'es qu'à comprendre nos petits paysans ou Sénèque Milo ou qui ministre de l'agriculture dans mon comme politicien ou pas courir à chercher pasteur Moïse, Woodline Pierre, paysan ou yo, dans bas plein Maribao, dans le département d'Est-Lan, pour dire regardez, mes ministères ça là, m'a metto comme ministre parce que je me sens que ou envie de travailler la terre avec paysans. À chercher Woodline Pierre, mettez-le comme ministre de l'agriculture, mettre là pour faire aider paysans yo. À chercher mon latin la Tibonite, mettez comme directeur général, ministère là, pour travailler pour aider les paysans, mon plutôt vendre pour faire l'argent, ministère pas gagné que le pral régler. Parce que tout simplement, il y a un oligarque corrompu qui a une importation, qui a découragé la production nationale en de pays, ou préféré favorable avec des nègres qui ont une importation, au lieu que ou favorable avec des paysans qui travaillent la terre, même gens ou même sont paysans. Moïse sont criminels, Moïse sont assassins, sont méchants. Et mon cap doit faire payer ça. Il ne point boire des pacates. Dans le cap haïtien, l'on tente faire assembler quoi faire yo. Selon l'information, Moïse achète un caille pour 700 000 dollars américains dans Belleville.
Si vite l'homme innocent, pas on allié pour moi Jean-Charles, faut vite l'homme innocent te chercher ba colonel là pour la lan kaye ko fait cacheter ya pour te foutre craser plat à terre parce que son chef de gang koye, gang pare te foutre craser kayou, ça gang fait gang, moun de bien ri dans ça. Moi Jean-Charles sont criminels, sont assassins, sont petits volets. Les de connivence avec toute gang qui dans zone métropolitaine là et ça cause toujours ouais, li pa jamais parler de bataille contre gang. Parce que Moïse son gang. Li gen pile l'argent. Li vend militaire politique li yo, la pauvreté pour couvrir richesse li. Mais malheureusement, si moun jusqu'au bout yo, si imbécile jusqu'au bout yo, a marché derrière dol tête à tête. Li pa jamais capable comprendre. Li utilise tout jeune garçon pour faire politique li. Li fait tout yé yo pour faire politique li. Parce que li même c'est comme ça qu'il vive. Petite li à l'étranger, faut qu'il bien vive. Mais imbécile là a manipulé tout le monde, a passé tout le monde dans farine pour faire l'argent sous de yo. C'est moi pour te joindre, salope sale. On l'a consommé dans nos réunions, t'as foutu seul coup de bouteille pour te tout, si volé. A venir le tête leader. Et moi pour te joindre. Moi, franchement, nous avons une bonne chance comme soi-disant leader politique. Et moi pour te joindre. Comme moun, comme jeune garçon, mettez derrière de nous là, n'a pas manipulé, n'a pas mentor. Pour qui pour vous? N'a pas proposé bon partisan. M'veille contre Chita. M'voulou tout n'importe 15 coups de machin pour te tout, si volé, côté nous y est. Et moi pour nous déjeuner, nous pas jeune grand Bouddha, nous pas jeune actionnaire. Nous pensons comme si Nadjou, nous c'est mon qui pi actionner dans vie nous. Et moi pour nous déjeuner. Nèg vienne passer dans bêtise, rance, ça comme tout donné clair. Ou vini dans tête pays comme premier ministre. Ou gen volonté. Pas gen problème. Sou gen volonté pour prouver qu'on gen volonté. Automatiquement ou gen des criminels notoires qui campent devant, qui constituent véritable obstacle devant, montrer nation qui ça quoi confronter. Monte nation qui sort jeune comme obstacle. Et puis nous-mêmes, comme jeunes garçons, avisés, comme combattants conséquents, n'a pas campé à vous, mais montrer qu'on a une volonté. Parce que Haïti, pas gagné pour être volant encore, monsieur. C'est sauvé pour Haïti. Haïti, c'est sauvé Haïti. Haïti dans le coma. Haïti sous cabane de l'hôpital. Seul green sa que le besoin comme ce homme, c'est sans petit lit. Faut qu'Haïtien baille 100 euros pour Haïti, fois ça. On sacrifie nous pour payer. On sacrifie nous. Pour payer, je ne sais pas l'argent pour ne pas demander une autorité dans l'État pour encourager le faire des bagailles. Je ne sais pas si je suis beau garçon, si je suis pas beau garçon. Je ne sais pas si je suis pas fait, ne pas faire pendant que je fais des bagailles. Si je fais des bagailles, je bats bravo là contentement. Si je fais tout, je dénonce. Je ne sais pas si je protéger pendant que je ne prends pas rien, je viens comme si BO là. Non! Haïti, c'est un gouvernement. Les gens qui ont été gagnés. Tout le monde connaît question équipe coquin volé qui vient avec Gary Conny. De fait, nous dit que si Gary Conny goti kras moun, s'il c'est petit docteur Conny vrai, ancien Duvalieris, alors je suis capable de dire Duvalieris et petit, alors, je suis capable de dire Papadoc. Si Gary Conny connaît que le goti kras moun haïtien la kaili toujours, l'a sacrifié. L'a dit tête li, à 58 l'année, qui était remgé. Nan volant 30 millions, 100 millions de dollars américains sous haïtien. Bon, font bagay pour tout bon. Bon, met pied matin. M'connais que, nè qui nan coulève cette tête là, pas vle nous craser gang. Mais définitivement, n'a pas utilisé vraie stratégie pour nous combattre des affaires gang dans le pays pour tout bon. Nè yo pas vle combattre gang. Mais a bloqué Gary Conny parce que yo senti que Gary Conny t'en vie. Utilisez stratégie comme André Philippe Lan pour mise te mettre en commission de vérité sous pied, quelque part, pour connaître une vraie nature problème nan. Et puis automatiquement pour aller dans sous problème nan, pour résoudre problème nan définitivement. Mais Gary Conny toujours ni entouré par même élément sa yo qui mette gang nan pays ya. À savoir oligak corrompu, gang qui nan droits humains, gang qui nan politique. C'est yo qui mette gang nan à terre nan pays ya baou. Je veux dire yo besoin pour éliminer des chefs de gang clés qui yo estime ki ba yo problème. Et puis pour yo quitter tout soldat yo là avec tout arsenal zam nan la kayo. Moi me dis non. Faut qu'on ait une vraie stratégie qui définit, faut gagner des formules clés qui mettent à terre pour que nous capables éradiquer de ces gangs sous territoire national. Parce que je dis, hein, quitter tout jeune garçon ça yo, avec pile mitraillette dans mes yo, et pour tout iso, tout barbecue, c'est qu'on pas frayer. Parce que iso gen partenel qui close avec elle, automatiquement tout iso, yon, on, comme si abgon des amis qui piment mauvais toujours, cap monter. Et la gen plus folie, la tout est plus moun. Mais par conséquent, si que vous mettez une stratégie à terre, par exemple, si nous prenons une stratégie que M. Luc Mandelil te mette sous pied, hein, qui ça que le dit? M. Luc Man, franchement, mais c'est ça que vous avez toujours dit, vous volonté de pas gagner vraiment.
Lucman Delil, c'est n'est qui gagne volonté réelle là. Lucman Delil, t'es décidé de lui-même pour te faire bataille pour te éradiquer gang dans le pays. Et m'a dit nous ça très bien. Ou gars il connait vienne avec yon slogan kay pa kay, quartier par quartier et ville par ville, département par département, comme ça. Vrai monde qui t'a fait mouvement ça kay pa kay, quartier par quartier, zone par zone jusqu'à ce que nous arrivions ville par ville là. Il t'a prêt le mettre Lucman Delil. Et si gars il connait tes volonté vraiment ou bien tout est quitté. Moun sérieux, moun honnête pas la vel, ou bien te tende nous, te consulte nous pour nous te bal moun. Nous t'ap di gari koni, ou t'ap choisi mettre Lucman Delil comme ministre de la justice. Ou bien choisi-le comme ministre de l'intérieur. Comme ou gen ministre ou gen portefeuille ministre, ça nan mou. Mettez mettre Lucman Delil comme ministre intérieur. Et ou après, mettre Lucman Delil apprend quartier que bandi occupé yo, quartier par quartier. La fel, parce que monsieur gen meilleure stratégie. Hein. Et Lucman Delil, monsieur a pris bien travail tout parce que monsieur gagne 100 000 comme chef de la police n'est que l'habitude de travail, n'est qui habitué à résultat et yo entend yo sous ça. Non, mais il est capable. Monsieur gagne volonté. Mais par conséquent, entourage là, ou état-major police là, qui c'est des chefs de gang qui l'a dans, des trafiquants d'armes, dans la qui gagne coupable de sécurité, qui ne pas jambler pour payer un gain, ça nous capable de sécurité. De fait, non, mais il est capable de faire un résultat. Oui, il a tout un paquet de bandits. Mais par conséquent, est-ce qu'il a récupéré le quartier? Je pas quoi. Mais par conséquent, si vous avez M. Lucman Delil, qui vient comme ministre de justice, ou bien, alors, comme ministre intérieur, mais le ça, ou avez Lucman Delil, qui a dit comme ça que, mais ça que l'a besoin comme moyen. L'État central a mis à la disposition. Et mais M. Lucman Delil a pchita avec chef police, alors qu'il connaît très bien, qui sont capables de combattre gang pour tout le monde, Lucman Delil a occupé premier côté Lucman Delil la prend village de Dieu. Et me garantis, remettre Lucman Delil, ministre de l'Intérieur, qui ne m'a pas la voix là, dans le pays. Et pour après, si Lucman Delil ba ou, 8 mois, pour gagner la paix dans votre presse, pour pas gagner la paix. Vous bien, oui, il y a un grand monde qui m'a comme référence. Parce que moi, me garantis, moi, monsieur, j'ai une volonté et monsieur, capable de résoudre le problème. Non. Monsieur qui a une volonté et monsieur qui a résolu le problème. Si vous faire laisser frapper pendant négocier avec gang, vrai monde qui est capable de faire laisser frapper avec gang, il est mettre Lucman Delil. Vous mettez quoi? Vous mettez quoi, souvle? N'est-ce qui a fait bon laisser frapper avec gang, qui pas pétouiller pour tout bon, il est Lucman Delil. Lucman Delil, c'est apprendre ou à laisser. Mais est-ce que Gary Koni prêt pour que Lucman Delil vienne intégrer le gouvernement et puis pour bailler Lucman Delil, match de manœuvre pour éliminer de ce gang dans ce territoire? Mais par conséquent, nèg qui nan primature là, nèg qui nan coulève cette tête là, nèg qui nan oligarchien, nèg qui nan politique là, yo pas accepté pour Gary Koni choisi mettre Lucman Delil comme moun nan gouvernement qui capable de le combattre gang nan. Gary Koni pas capable faire pour kontou et nèg pas kito faire pour kontou. Et pas kito faire tout. Parce que nèg pas vle pour gang nan craser dans pays a pour tout bon. Mais espérer que ou tant de raisons, docteur Koni, parce que nous même gagne ba ki besoin. C'est ouais yon Haïti pour moun ka marcher parce que trop crime, trop crime, trop vol, trop assassinat, trop crime fait dans le pays, trop disparition. Nous pas quitter ça continuer. Haïti pas vivre avec ça encore. Faut qu'on disposition qui prend. Nous pas quitter le continuer mes amis. Faut gagner un bail qui pour fait dans le pays. Mais c'est arrivé trop loin. Mais si vous faites trop crime en dans le pays. Mais si vous tuez trop monde en dans le pays. Faut qu'on bail qui pour fait. Mais c'est trop criminel. Peu pas ici les yeux. Font bagay. A nous aider pays à sortir là. Nous capables d'aider. Nous ka aider Haïti là. Nous ka aider pays comme si recamper sous des pieds. Jodi an, j'aime dire là, c'est que Haïti besoin petite li yo. OK? Haïti besoin petite li pour aider le sortir dans ça. Faut que nous tout mettez main. Jodi an qui c'est 25 avril alors juillet pardon. Je m'oublie moi comme ça. Droite et gauche, le problème pays, oui. Attendez, non. Je dis que c'est 25 juillet 2024. Et bon, Gary Koni, comme actuel premier ministre, monsieur prend la parole, et matin, dans la radio, et dans la radio et télévision Caraïbe. Qui ça qui dit? Eh bien, je prends le courrier. Alors, nous connaissons que l'important, ou peut-être que tout problème avec Gary Koni,
Mais par conséquent, s'il vient participer dans l'émission, c'est le Premier ministre, ou gagne intérêt à tendre. On va l'inviter nous tendre docteur Gary Conille ensemble avec moi. Parce que l'important pour nous tendre et Gary Conille qui était dans radio et télévision Caraïbe dans micro Johnny Ferdinand avec Gary Diesel. Nous pral tendre Gary Conille qui a répondre question plusieurs questions hein qui peut-être intéressant et nous pral tendre l'ensemble et puis par la suite n'a tourner pour deuxième partie émission hein. Et en nous mettre on va dire bientôt hier yeah, fin passer monsieur n'a passé et PM Koni qui parlait voilà matin hein? OK on va le passer monsieur parce que s'il parlait faut entendre lui comprends-moi s'il parlait faut entendre lui et grand pile bagarre qui peut-être ou tu besoin connaît monsieur que ou profiter voilà, nous à Bruxelles dans tout à l'heure c'est pas ça ou pas le connaît là. OK nous pas le temps de Gary Conille actuel premier ministre qui a répondu question journaliste Johnny Ferdinand et Guerrier et Jessel dans radio et télévision Caraïbes. Maintenant entend avec un peu d'intérêt hein, pendant que vous quitter commenter par là selon vous même selon feeling c'est la façon qu'on comprenne ça qu'a pris dans pays. Est-ce que Gary Conille a pris dans bagaille selon façon qu'on comprenne ni ou a quitté en commentaire et puis nous même par la suite on va le bail maman Pemba. Ça veut dire qu'il a pas avec un peu d'intérêt et m'a venir pour maman Pemba. Entendez qui ça depuis le 12 juin à qui sentiment ou t'es accepté pour un job premier ministre là dans conjoncture ça avec un sentiment de un monde qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sous le défi. Nous comprenons que le moment est tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour venir couvrir la situation de Timonio. Nous avons suivi données. Nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment est venu pour nous capables d'offrir service. Nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Mka dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui a accompli. Je souhaitais que nous prenions l'occasion pour nous parler de ça un peu dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant et que peut-être que nous pas souligné suffisamment. C'est pour la première fois qu'on a un groupe parti politique qui a goumé entre eux depuis des années. Pas jamais qu'en tant que soin, arrivé, battu un consensus autour d'une structure de gouvernance côté eux tout qui ont participé. Ça pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça a arrivé à Antonio, son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il a arrivé à faire confiance à un monde que pas qu'on en pile, et au mandé pour qu'imbé neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser la transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti de nécessité pour un monde pour devenir, comment est le job là? D'abord, je pas tellement quand un job pour te dire honnête. Moi, vraiment quand un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Kayo, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié population qui a une insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout nos pays. Nous avons gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons économie pays qui a détérioré. Nous avons secteur privé à craser. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, ou vienne porter main forte. Maintenant, nous pas t'attendre à ce que nous avons un gros succès en 2 semaines, en 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans situation Haïti. Donc, nous pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches. Là, la seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur, garantit, c'est que n'a pas avancé. Lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. Ça qui est important. C'est pour avancer bien. Pour nous capables pas jamais tourner dans la situation que nous avons avant. Au départ, oui. On n'a pas dit donc, depuis, on n'a pas regret que tu aies quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma PDPI, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à gagner un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était ouais, autant pour
premier ministre made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui pourrait l'estimer, bon, c'est monsieur Kony avec équipe Lee qui a essayé et utilisé un stratagème pour cabrer le monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne comprends pas tellement la question. La question, c'est que, de la perception, il y a un monde qui croit que monsieur Kony, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé au conseil là. Et c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle, comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile d'autres monde, sur vision, nous, sur comment nous voyons problème insécurité, comment nous voyons transition, qui contribution à nos cabailles, qui dénient. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Ils réunissent trois mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base conversation que gagnent ils font choix. Donc moi-même personnellement je suis pas au courant et pas comprendre non plus que aux conclusions aux perceptions sont perceptions certainement mal placées. Ça a été une décision haïtienne tout comme constitution conseil présidentiel là ton décision haïtienne, c'est haïtien qui choisit 9 membres. C'est haïtien qui choisit en ce moment là constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. Et je dis, avec un exécutif bicéphale, comment relation Gary Kony comme premier ministre avec le conseil et présidentiel de transition qui lui-même a joué et rôle président avec attribution présidentielle, etc. Comment relation? Merci, Johnny. Pour cette question, c'est importante. Pour moi-même, relation aussi prévisible que le TKI. Vous mettez ensemble 9 personnalités, plus son premier ministre, de fortes personnalités, avec des visions propres de comment il aurait payé, mais aussi avec des intérêts divergents. Pas oublier que chaque membre CPA issu d'un secteur politique, représentant un groupe politique, et donc, normalement, gagne des intérêts politiques. Donc, l'on mettait tout ça ensemble, c'est absolument normal que n'a gagné un moment, côté n'a challenge une autre. N'a discuté avec conviction, n'a voulu pousser point de vue nous sur un point ou un autre. Mais la réalité, c'est qu'en 6 semaines, j'en dis, et pas un précédent pour ça. C'est première fois, un gouvernement monté en semaine. Donc, là, on me dit, ça nous fait en 6 semaines. Soit, regardez de manière historique, en 6 semaines, c'est gouvernement qui a monté toujours. Nous arrivons à faire le compromis qu'il fallait à cause de l'urgence, nous montons un gouvernement là, une semaine. Ça pas argument, PM. Monter gouvernement en 6 semaines, c'est gouvernement qui a bah, mettez moun pour moi pour le volant. Ça n'est pas argument. N'a pas avancé, n'a pas continué tant d'eau. Mais ça, c'est pas qu'un bébou, non. Ça va qu'un bébou, non, le pas intéressant pour nous. OK? N'a pas continué tant d'eau, oui. Mais comme si ça, y'a pas, non. Tout le monde connaît qui sont équipe volo, qui fait mon, qui dit, regardez, qu'un bébé tel, prend tel, mettez tel. Écoutez, là, y'a force pour nommer paquet directeur général. Ça que t'es là déjà, ou ça, y'a fait. Ça, on va le nommer, ça, on va le faire. Pour que ça n'est pas focus sur comment on a baissé sécurité dans Port-au-Prince là. Comment on a marché dans Port-au-Prince là, comment on a fait mon tourner la caillou, comment au moins yo moun ki dans sud a capable gain garantie que la vinn passer sur Matissan, pas gain gang ka bal problème, li pa paye rançon. Comment Tibus ka fait Jacmel connaît qu'il pa paye 3-4 paye encore. Poste de paye encore, ça yo les poste de paye dans pays d'Haïti. Comment yo moun ki la Tibonite a connaît que li gain garantie et que la passé et m capable dit ka fou paye, la vinn passer Canaran sans problème. C'est ça nous besoin. C'est pas question bagaille une fête jol douce comme si n'a dû camper là. Tout le monde connaît que nèg fait mon et on faut pète coup sourit et on peut parler voleur mal. Tout le monde connaît ces voleurs. Attention Gary Kony, pas monter colère non, soit parler par les garçons. Voler en vaillou, voler fait mon côté, il faut pète coup sourit, y a foutu pression ou peut parler par pays. A vu monter comme si n'a dû non pas fait comment il est pas fait harmonie. Tout le monde connaît son sous-groupe terroriste voleur politique gang. Mettez tout bagage sous table. C'est volant qui a force au bail pop. Comment elle est. Qui a force au nom, comment elle est. Dans la direction générale pour eux. Et ça, c'est important pour payer comme ça. Ce qui est vicieux, criminel, assassin, gang politique, qui ne peuvent les Haïti faire un pas. Je dis, on même vini là. Tout le monde connaît comment on vini. Sous qu'on tique à la volonté, montrez peuple à lui. Et puis, ça qui a bloqué là, montrez peuple à bloqué. Et puis, tôt ou tard, parce qu'il n'y a pas en pile. Bon Dieu dans le ciel là, qui a tout pouvoir, qui crée le ciel avec terre. Là, utiliser petit Léo pour faire une manchette. Il faut retirer tête politique et criminels assassins pour payer une chance.
Parce que c'est bon Dieu qui a tout pouvoir. Ça, toi ou ta bon Dieu qui a fait. Parce que ni vont mal que nous avons fait payer. Mais vous n'avez pas qu'à faire 38 ans à détruire petit bon Dieu comme ça. Non. Vous côté bon Dieu dans le ciel, à utiliser petit même je l'ai utilisé pour faire combat. Mais l'ai utilisé petit qui sur le terrain pour faire prendre manchette. Prendre lâche. Non, seule l'idée. 2 millions de monde à chercher tout grand politicien haïtien pour dénicher dans le pays. Quand on y parle, soit parlé. Nous changer chef la police là en l'intérieur de 2 semaines et demie. Nous entendons nous aujourd'hui à la sous une série de directeurs généraux rapidement. L'avancée sur de feuilles de route qui définit exactement ça, nous pouvons le faire pendant la transition. On a fini avec une série de décrets qui pour banon l'autre instrument qui est prévu là encore. Tout ça avec des gens qui traditionnellement, historiquement, sous gardé bien pas jamais entendu un soin, mais qui jeudi a fait le grand pas, le grand sacrifice, parce que tout le monde comprend que le pays est en danger. Et sous gardé le perspective, ça a peut-être qu'on va arriver à l'autre conclusion. Et là, est-ce que c'est vrai que gagner le nous chita ensemble, nous pas entendre nous bien entendre nous? Mais la marge, la vérité, c'est que jusqu'à présent, on est arrivé à trouver un compromis suffisant pour pouvoir continuer à avancer. Mais ça arrive dans le travail, nous, pour qu'il y ait des apports, des divergences. Absolument. Et c'est prévisible. Mais nous mettons sous un système d'eau pour arriver à résoudre dans la cordialité. Mm-hmm. L'idée que nous avons mis 10 mounes dont qui sortit de perspectives différentes, qui sortit des orientations différentes, qui sortit de secteurs différents, qui gagne des intérêts différents. Et que vous tapez systématiquement entendu sur toute bagaille. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on choisit diversité, ça. Mm-hmm. C'est parce que justement, on attend à ce que chaque monde apporte perspective pâle, mais que, en finalité, on a bien suffisamment de patriotisme, on a bien suffisamment d'engagement pour nous chercher qu'autre consensus là. Et moi-même, qu'a dit jusqu'à ce jour, c'est ce que nous sommes arrivés à faire. Mm-hmm. Est-ce que c'est bon genre, relation, ça qui existait entre, ou même avec membre conseil présidentiel là qui était exécuté présent sous la caille conseiller Gilles et gain pile parole qui a parlé version pro qui ça dit pas sûr de qui soit fait référence mais nous sommes premier ministre et un président un conseiller présidentiel invité la caille côté gain l'autre conseiller présidentiel. C'est tout à fait normal que nous répondons présent. Maintenant, qui s'est passé, qui s'est discuté là quand on président, on conseiller présidentiel avec premier ministre, comme je suis sûr qu'on comprenne, c'est bon, bah, que j'aime bien de me discuter. Non, mais fait ta bagouille. Oui, bon. Non, version PM, là, c'est que il a été reçu par le président chez lui avec d'autres présidents et d'autres invités, et c'est tout ça seulement m'a dit. M'a commenté son ni bien ni mal, dès qu'on est président. Donc, toute conversation, tout échange qui fait dans le contexte, ça, vous comprenez que c'est bon, bah, nous allons mettre dans la rue. Mm. Bon, vu ça, la presse rapportée. Oui, monsieur Douce. Il y a des gens qui disent est-ce que PM n'a pas obligé à l'antique du rapporteur, comme ça, par rapport à ça, il y a un rapporté qui est discuté, par rapport à ce rapport là, t'as fini, vu l'urgence de l'heure, et parce que de l'autre bagaille qui est plus important. Puis, il n'y a pas qu'à discuter. Donc, voilà pourquoi il y a des gens qui disent, donc, il n'y a pas de nécessité au rapport. Pour ça, c'est vrai, son conseiller président qui est invité au premier ministre à Cali, mais à la fin de la journée, il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de finalité. Là. Oui, il respecte ça, son perspective. Mais nous-mêmes, son conseiller présidentiel, un conseiller présidentiel, un président de la République, avec de l'autre mandat en rencontre, dans n'importe quel contexte, ou même en tant que premier ministre, la chose à faire, c'est chita pour coûter. Je ne sais pas moi-même, la perspective par moi, l'expérience par moi, le bon opportunité pour chita, pour discuter de pays, pour discuter de, pour joindre un consensus, pour mener mon avoir, pour capable assurer que tout le monde comprenne côté nous bras ensemble, son investissement qui vaut la peine. Parce que, encore une fois, rappelons, il y a un défi, c'est pas seulement comment nous parler approcher gagner, il y a un défi, c'est qu'imbé coalition, ça. Qui est très fragile, parce que justement, venant de secteurs divers, avec des intérêts divers, qui pourraient entrer dans une période électorale, il est absolument important pour nous quimber coalition ça ensemble, pour nous assurer que nous n'avons pas avancé en même temps, pour nous assurer tout que le gouvernement transition n'a pas une force côté. Il n'y a pas long sens ou bien long l'autre pour que pas des groupes qui sont lésés. Parce qu'autrement, nous allons vers l'échec. Donc, chaque fois, nous, ça fait d'ailleurs, ouais, nous fait effort de continuer à rencontrer secteurs.
nous continuons à rencontrer tout secteur au cours des dernières semaines. Et discussion nous gagne avec extraordinaire. Perspective sur comment on a pas avancé côté accord 3 avril là est extraordinaire. Espace de dialogue, ça, que m'obliger maintenant, lui, essentiel à succès transition. C'est bon, bah, on peut mettre de côté et qu'on a décidé du jour au lendemain que bon secteur ou bien l'autre secteur que tout simplement, on va pas laver encore. Particulièrement, le son président qui invite au Vinédé au faciliter dialogue et discussion. Non, certes, c'est pas aider ma dialogue là que observateur qui relativement analysé, ouais, pas suivi au gagné et c'est pas problème ça au gagné, mais c'est par rapport à ça discuter. Parce que, et on devra dire, sous le problème de ça gagné, est-ce que on peut mener ce canal discuter, comment on peut partager pouvoir, comment on peut avoir un job, ou bien des secteurs venir à défendre, dire ou pas joindre, et ça a demandé engagement que tu prends pour mettre jusqu'à ce que, il y a des bagages qui répétaient au point que nous avons demandé est-ce qu'il y a une nécessité pour le Premier ministre là, avec un responsable parti politique ou des groupements politiques qui voulaient le monde dans ce pays-là, tu es obligé de arriver là. C'est ça la préoccupation. Hein? Par contre, c'est le démarche dialogue là qui est le problème. Johnny Yolier, à quoi 3 avril là prévoit qui ça? Il prévoit qu'il y a une gouvernance collective de partis qui est impliqué là à quoi? C'est ça lié, c'est ça qui fait ouais que ces secteurs avec CPO qui a participé activement dans la sélection ministre et dans la sélection directeur général. C'est base à quoi 3 avril là, et nous-mêmes comme premier ministre qui censé avoir un statut neutre, n'a pas essayé d'assurer nous que bah il va pencher ni dans un sens ni dans un autre. Jean Zoula li essentiel pour bien tout partenaire qui est impliqué dans quoi ensemble avec coalition. Ça sont nécessité politique et pas seulement représentant CPO mais secteur. Donc, dialogue, ça, pour nous, qui peut déboucher sous l'autre question, donc, conférence nationale, constitution et éventuellement élection, c'est une fonction essentielle que nous gagnons pour nous maintenir. Parce qu'autrement, comme ça qu'a privé, c'est que, coalition, qui a commencé à diviser et scinder, et si coalition, lui-même, qui a commencé à effriter, garantit ça à que et que population acheté, Johnny. Parce qu'il faut pas oublier ça. Population, bah, nous espace ça, pour qui ça? Parce que lâchons un compromis entre des acteurs politiques que nous reconnaître. Et acteurs politiques, ça a engagé, ou qu'un bel compromis, hein, jusqu'au 7 février 2026. Et nous n'en gardons un compromis ça, c'est le premier ministre ça. C'est pour ça qu'on va un premier ministre qui soit sorti d'un secteur ou dans l'autre. Donc, garantie que nous avançons main dans la main. Et long président, il est au Gary, il faut que nous continuions qu'il y ait main dans la main avec coalition. Oui, c'est un bon investissement. Mm-hmm. Et pendant parler de l'accord 3 avril là, et M. Gary Koné, M. le Premier ministre, est-ce que vous sentez que vous êtes attaché à l'accord ça? L'accord 3 avril là, c'est base, structure de gouvernance. Ça. C'est un document important que moi, j'ai beau tête tous les jours parce qu'il définit comment nous devons comporter nous. Certainement, il y a l'autre décret qui vient de sortir après 3 avril là tout, qui définit l'autre élément, le type d'accompagnement ça. Mm-hmm. Donc certainement, son référence importante et essentielle pour nous dans le cadre de transition, il n'y a pas de doute. Alors, m'a rappelé pour tous tes amis qui attendent l'émission là, mon qui a parlé, c'est Dr. Gary Koné, c'est jeudi à la même, li, et alors, c'est première intervention, li, capable de dire, pour... Alors, capable dire c'est une grosse émission qu'il participait. Il a abordé plusieurs points, ok, dans cadre d'émission ça. Et m'estime qu'il est extrêmement important pour que nous tendez avec un peu d'intérêt. Peut-être que vous l'avez dit non, tel bah, mais entendez-le. N'attendez-le parce que ou même ou avez une réaction. Mais même tout, captez-le ensemble volant. Nous qui avec un bal dit, ok. Ça veut dire que en nous tendez avec un peu d'intérêt et puis pendant attendez en tout, ou qu'à exprimer ou n'espace commentaire là. Quittez. Un commentaire. Il est très intéressant. Docteur Gary Koné, on a d'elle. Non, après ça, et nous voyons jusqu'à présent, qui quand même soit pas respecté ou pas sous respecté, par exemple, il y a une divergence comme journaliste, nous gagne, et comme information, tout qui gagne dans la question après ça, c'est que vous avez dit que vous avez prévu pour ces SCP qui gèrent la question directeur général, etc. Et je vous dis, on se proche CPA, faire comprendre que vous n'avez pas toute l'attitude, ça vrai, et que vous obligé dans la négociation avec Primature pour voir comment vous avez changé tel DG, comment vous avez remplacé, etc. Est-ce que vous avez comme ça? Non, si à quoi tu as prévu tout le bagage, ça va juste appliquer le fil. En fait, à quoi et constitution prévoit comment pour DG ou non, mais. Et c'est le président qui nomme en Conseil des ministres. Ça veut dire simplement que le Conseil des ministres a un rôle pour jouer. D'ailleurs, c'est le ministre qui peut introduire et énoncer des motifs.
Donc, le processus là, lui-même, comment le fait, c'est ministre là, dit que même pour raison que MAP changé ou ben MAP nommé directeur général ça. Donc, constitution lui-même prévoit que le premier ministre avec gouvernement a un rôle important pour jouer dans le cadre de sélection directeur général. Mais deuxièmement, et deuxième bail qui est important, rappelons que neutralité à CELIC, ça, c'est de nous garantir, un, que nous toujours menons les personnalités les plus compétentes, deux, nous qu'un bon équilibre entre les intérêts des différents secteurs. Donc, comment processus là, il y a en toute transparence, essentiellement directeur général, il a choisi, il a identifié en tout cas par CPO avec discussion avec ministre et avec discussion avec premier ministre. Donc, une décision par exemple nous prend, c'est que un, parce que nous avons temps limité, nous allons aller au cas par cas. Et c'est très important. Ça veut dire que nous avons gardé pour nous une boîte côté directeur général, là, soit il y a des histoires de corruption, soit il y a des problèmes de performance, soit il y a une raison spécifique qui fait qui veut faire changer. Deux, si le directeur général a une raison spécifique pour changer, nous avons gardé dans la boîte là d'abord. Est-ce que nous avons dans la boîte là que nous avons promouvoir remplacer dans la place? Trois, si nous pas joindre un monde dans boîte là qui a assumé poste là, nous pouvons chercher un monde dehors et n'a garder CV monde, n'a garder expérience, il n'a garder capacité pour l'assurer que un, il pas venir apprendre métier là. L'a déjà connait comment fonctionnement il. Il a expérience pour faire travail là, l'habitué faire management là et puis nous prendre. Et ce processus qui bah au premier lot de directeur général qu'on connait encore une fois ça, son processus extraordinaire entre des gens qui historiquement pas de jamais fait grand pas ça. Et je pense que produit a pas parfait, produit a pas excellent, c'est pas quand ça n'était gars avoir côté son seul monde qu'a choisi. Tout directeur général nous choisi, il y a deux catégories vetting. Il y a un vetting que tout CPO fait, yo même entre eux. Et ensuite, le ring joint gouvernement encore a fait vetting pour eux, pour assurer que pas un dossier, y a pas un antécédent, y a pas trop aligné à un secteur politique. C'est pour ça, ouais, d'ailleurs, que la nomination que nous fait là, ou pas aucun visage qui est emblématique d'un groupe politique. Ouais, non, essentiellement, ce sont des techniciens qui probablement ont une affiliation politique, mais essentiellement présentés comme des figures neutres. Et pour moi, Johnny, c'est une bonne chose, particulièrement si comparé à sortir ouais avant et comment il était fait avant. Et je crois que nous avons un bon équilibre et là, on va continuer à avancer comme ça. Les Monsieur Kone tape formé gouvernement jusqu'à installation et gouvernement était clair que l'a réduit le nombre de ministres pour permettre qu'on politique d'austérité qui a appliqué dans le cadre des actions gouvernementales. Mais au grand étonnement de tout le monde, il était venu gagner 3 ministres en portefeuille qui étaient venus ajouter sur liste 14 ministres qui étaient déjà existés. Donc qui ça expliqué ça parce que 3 ministres ça aussi c'était petit collier beaucoup en plus. OK, donc si nous disons d'a faire austérité, d'a pas réduire les dépenses d'état qui nécessitait 3 ministres pour faire ça. D'abord merci beaucoup Johnny, mais en fait c'est deux gains, ensuite nous réduit de 18 à 14, donc c'est assez significatif, et troisièmement évidemment ministre en portefeuille, c'est pas même budget, c'est pas même poids qu'un ministre. Donc différence là assez significative. Et évidemment, dans un troisième temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête deux ou trois ministères, qui à mon avis tout représentait un peu vision de côté de Bralé. Donc ça baille ministère, ça a eu opportunité pour le faire. Par exemple, moi-même, dans pile pays de travail, ministère de la planification, ministère de planification et finance, c'est en général, on va être ensemble. Ça va être trop lourd. Non, pas si vous organisez bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Right? Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as deux, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est vous un signal clair parce que rappelez-vous que l'organe ministre, ça vient avec tout en termes de budget, en termes de lot, en termes de local. Tandis qu'un ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre. Donc, ça t'est banou les coudées qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce que faut bien garder, c'est la première fois nous établis au monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pour moi qui n'a jamais existé. L'on paye, écoutez, nous avons histoire et certainement nous avons futur d'accident humanitaire. Essentiellement, ici, en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international, l'acte occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner les réponses humanitaires pour nous reprendre ça en main.
Nous avons l'autre ministre qui a aidé nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance, qui pour moi est essentiel, parce que comme tu le sais, Johnny, il y a un plus gros problème pays qui a gangrené depuis des années, c'est des histoires de corruption. Et nous avons les gens qui sont responsables de portefeuille, ça y est, rend le ministre pour qu'il y ait autorité tout pour travailler sur le dossier. Nous allons faire partie ça, monsieur le premier ministre, mais pendant qu'on parle de jumelage, là, c'est vrai, on seul ministre vient sous tête deux ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministre, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Ça veut dire que c'est salaire, avec fonctionnement, peut-être cabinet, ministère. Non, pas du tout. Moi, je vois que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est en état qui n'est pas en place. Moi, je vois, par exemple, je me suis quitté le ministère de l'Intérieur, côté mon coin, je peut-être 400 monde, je dis à dire, il y a à peu près 3000 monde. Donc, il y a une bagarre ministre qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment il peut retourner à l'efficience. Garder comment il peut réduire le staff. Garder comment, mais ça doit se faire progressivement. Mais si je mets un ministre sous tête, pas possible. Donc, là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il a modernisé la structure de l'État et comment il a pris les plus effectifs, plus efficaces. Là, on va Johnny. Pas de baguette magique. Bah, la cabine là, et puis, pour d'un coup, m'évoquer 30% de l'administration publique parce que me réduire la masse salariale. Bon processus pour mettre en blanc. Et premier, ça fait justement, c'est qu'on mette deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet, moun cap diriger lieu, reconfigurer, reconsidérer, garder ça y a besoin, garder ça y a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? N'a pas rappelé, madame, monsieur, sur Caraïbe FM, ou à suivre, j'en ai pris l'occasion, dans l'espace, ça, invité, non, matin, c'est premier ministre Gary Koni avec les NAPC, commenté actualité, à. Du coup, guerrier, nous mettons terme à première partie, et échange, nous, guerrier, premier ministre, et nous prenons le passé là, à une autre étape, et à un autre sujet, nous pensons qu'il a intéressé le pays, à, qui c'est, question de sécurité, guerrier, tout ça. Ah, oui. Dans conférence avec chef délégation Kenya, dans micro RFI également, lors sorti Washington dans PM, où tu pas écarté possibilité pour que gagne un éventuel dialogue avec monsieur qui gagne Zam Nameyo, ou peut-être tendez gagne plusieurs voix qui est levée dans pays a pour dire pas question de dialoguer avec les gangs, avec des criminels notoires. Est-ce que vous toujours pensez à que dialogue ça, est-ce qu'il est toujours possible? Si oui, comment elle doit être faite et comment elle peut aider? Ça nous a dit que nous avons prendre, c'est que d'abord, il faut déposer les armes. C'est une condition sine qua non avant que nous considérions quoi que ce soit, pour déposer les armes. Et la deuxième chose, c'est que faut accepter l'autorité de l'État. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si on a un problème avec la justice, faut accepter la justice. Si on a un problème avec la police, faut accepter l'autorité de la police. Donc, faut pratiquement rendre tout disponible à l'État. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, ceci dit, vous m'en même sous l'emprison, sauf les dialogues, parce qu'on, bon, bagaille, ou qu'on contribution qu'on cabaye, une fois que système dans l'État reprend l'autorité, lui, ou obligé retrouver. La deuxième chose qu'il faut aussi rappeler, quand pile fois oublier, selon chiffre nous-mêmes nous gagnons, 50% de monde qui l'a gagné, c'est Timounio. C'est mineur, c'est vrai. Il y a les de 12 à 17 ans. C'est vrai. Faut que nous bayons chance tout pour comprendre que y a une alternative pour vous, sous 12 ans. D'accord. Sous 13 ans, faut que vous ayez le sentiment que l'État a pari pour comprendre côté des circonstances. Faut pour comprendre que la pêche aux gens pour le réintégrer dans la société, c'est 50% de 50%. Donc, le m'a parlé moi-même. M'a pas parlé exclusivement pour mon nouvelle radio, mon café vidéo. M'a parlé parce que m'a une bonne compréhension de ça qu'en face, non, et de ça problème, non, et. Mais le message était très, très clair. Monde qui est victime, il faut que y ait justice et il faut que y ait réparation. Pas qu'il n'y ait aucun retour à la paix sans ça. L'État fait pour reprendre contrôle tout côté sous territoire. Pas qu'à gagner la paix sans ça. Moun qui gagne zam yo, pas qu'à gagner zam sans ça. Mais, point qui est plus important. J'en nous a jugé les 6 semaines de bim là. Nous, ouais, la manœuvre m'a fait. Toute manœuvre m'a fait. Son manœuvre pour me capable assurer, moi, que l'État capable reprendre ses droits, tout côté qui gagne dans le territoire, et de manière très active. Et m'espérer que nous pourrons parler de démarches que nous prenons dans ce sens, depuis quelques temps. Alors, non, mais, plus explicite sur mot ça, déposer zam. Ça veut dire qui ça? Parce que, est-ce que déposer zam veut dire que, monsieur, suspend tirer? Et, suspend.
permettez moi prendre une motion et sous point ça que le ministre là et ça te fait là ou du moins question ça te répondre là mais moi dire clair et ça que m'a dans commencement émission on t'a évoqué dossier trafic d'organes qu'a fait dans pays là il bien existé et on connaît monde qu'a fait yo mais par conséquent l'a fait depuis des années mais pas personne qui jamais quand bien face monsieur ça vous mettez au frais dans des machins parce que nous avons démoli haïtien haïtien pas motocyclette n'a pas haïtien rachiré haïtien alvan avec étranger on a mis du là haïtien pas bicyclette il pas machine mais on se rap démonter pièce par pièce haïtien on va racher que lui on a mis du là pour alvan avec étranger pour c'est pas chargé et en fait m'a dit donc que gagné pour tout monde qui était dans la rue Simon qui était qu'on a six machines dans Cafoy au port d'Elma Pétionville Simon j'ai Cafo Gérald Bataille c'est Cafo Trois-Mains Simon Cafo Fleurio Simon Cafo Marassa tout ça t'es grand pile Simon dans la rue et Simon ça a été 5 ans en 2017 maintenant 2017 à 2024 ça fait un total de 7 années Simon qui a 5 ans qu'on a 12 ans côté Simon ça qu'on a Est-ce que l'État te prend Timoun Zayo, te mette yon côté pour que l'État te organise li pour sauver Timoun Zayo? Qui ça l'État? Est-ce que nous contraste Timoun Zayo? Nous pas dans la rue encore. Yon Timoun qui te gen 10 ans en 2017, qui te gen apsi machine dans la rue, boit chan en amel, a passé, a vide de l'eau noire sous souliers moun. Ben écoutez, comprenez bien. Vous pensez que Timoun sa kounya qui a 17 ans, vous pensez que l'État qui a contrôlé li? C'est eux même qui ont goumi traite dans yo, que la police a tout tout temps, c'est eux même qui a une pièce technique dans affaires zam, mais par conséquent, chef gang n'a pas un zam kembe. Est-ce que nous comprenons? Chef gang là, ba yo un zam kembe. Mais c'est eux la police jeune yo, la police vidéo à terre. La police vidéo à terre. Vous comprenez? C'est la police jeune, la police vidéo à terre. Mais Timoun sa yo par conséquent, involontairement, yon te rentré dans gang. Et n'a pas dit le clair, souffrance, douleur, calamité, grand goût. Pas une personne, yon pas une capacité de réflexion, pas une personne qui a pensé pour yon. Yon se gong groupe qui n'a pas pris yon. Parce que Timoun sa yon gade, c'est zam nan de kap pale, c'est que ça l'entre, ça yon mette la dan, libre forme nan. Alors, quelque part, fuck l'État met aux conditions pour dire que si tout le monde ça a au nombre de 5 000, 6 000, est-ce que je ne peux pas sauver la vie? L'État, c'est doué bon papa. L'État doué bon maman. L'État doué une bonne famille qui protège tout le monde. Mais par conséquent, gros terroristes, gros palto, gros gang, qu'on a pas de monde, l'État doué une stratégie pour lui faire sous. C'est ça que je toujours dis. Il y a plusieurs façons de manger mon quand même. Moi, si je suis la première autorité dans le pays, de ces gangs, je suis résoudre li. Quel que soit le décision de gang, je suis un mentor. Mais plutôt, gang suis un mentor. Mais c'est le dernier mot à dire. Parce qu'on ne peut pas encore. Parce qu'il faut que les gens bien vivent. Mais en Haïti, quand vous vagabond, c'est qui l'État passe l'État. Yo vous avez des yo vous avez Yo fon zam yo bal yo bay zam yo fon bal yo bay bal yo gen bank yo ap tan dola américain ke bandi ap pran nan men moun yo kidnappé yo pou fon imagine nèg a gen bank li nan trafic zam li nan trafic bal c'est li k ap fon bandi zam nan el exige pou bandi bal kòb lan dola kòb bandi jen kòb lan nan la kidnapping nan de fait exactement nèg sa de kidnapper yo y ap kidnappé moun et tout le monde connaît que oligarque corrompu yo nèg ki nan secteur bancaire lan c'est des kidnappeurs nèg la vente munition la vente balle la vente cartouche la vente zam avec qui est avec gang k'ap kidnapper moun nan il exige gang nan balle kobli en dollars kote kobla sorti ou connaissez l'agent kidnapping défait nèg yo qui force nèg yo faire kidnapping nan pays yo qu'on est soit résolu problème en nous trois étapes. Même de quelque soit monde qui vient avec trois étapes là pour résoudre problème de sécurité, n'a agi. Si n'a fait laisser frapper, il y a pas de problème. Attendez, pas de problème du tout.
Est-ce que nous là? Mais montrez-moi que ou ap limiter action gang nan, parce que pour limiter action gang nan, gang nan pa gen usine ka produit munitions pour li nan ghetto a. Ou pa besoin ki pou li ka gon quantité munitions nan réserve. Mais par conséquent, li pa ka gagner pendant un mois pour la police a tirer avec. Kou n'a premier son fait, c'est fermer van ka propager munitions nan ghetto a. C'est-à-dire que gon marché ou fermé. Fermé marché ça. Soit fusion 4 nan oligarque yo ou bien foutu nan prison. Politicien qui a fait bruit dans la radio pour protéger yo, soit fusion 15 dans yo ou bien foutu dans prison. Nan ki nan doit assumer gang qui protéger gang, soit prend yo foutu pan yo ou bien foutu dans prison. Et puis à partir de maintenant, ou pa gon ou pa gen match de manœuvre pour que ou atterri sous gang à sa patte là, c'est après doit laisser. Aimerait pour nous déjoindre. Nous t'a dit comment peut faire gang. Raté, moi me dit nous ça très bien. Haïti pas mené tête là. C'est des hommes et des femmes qui criminels en dimension exagérée, qui prend payant qui mène là, mais faut guider moun tout, qui a utilisé de stratégies criminelles pour éradiquer des pratiques assassines qu'a fait son peuple. Moi, je tape foot fell. C'est moi pour nous déjeuner. Nous jeunes bon moun dans le pays. Nous jeunes bon moun. Moi, je finiment. Moi, je dis nous pas dans les affaires politiques, vin prendre, ma ben job l'État, ma ben poste l'État, ma ben candidat, ma ben soyez. Mais m'a dit nous ça pour Haïti pas un sacrifice qui trop grand. Suivez mon regard. Occuper route nationale et puis rentrer dans base yo et puis là ça n'a dit bon nous pas garder est-ce qu'on capable là ou bien déposer zam vle dit carrément remettre zam. Au mécanisme là ouais. Déposer zam vle dit ça, déposer zam vle dit ça, vous voyez zam là encore. Et deuxième là, tout aussi important que première, qu'on reconnaît autorité l'État. L'État c'est la police, l'État c'est la justice, l'État c'est le ministère de l'Intérieur, l'État c'est les structures de l'État. Donc second problème avec la justice, on rend tête à la justice d'abord. Et comme on va rendre tête à la justice avec zam là, ça présuppose donc que on prend toutes les dispositions pour mettre à la disposition de l'État. Donc ça veut dire que c'est déposer des armes et puis rendre tête tout ça sont leur casse-fait ça. Non, ça veut dire que c'est remettre armes ou gain dans mon là et sur une nuance qu'on voulait faire que peut-être que moi-même pas tout à fait qui perdu et que t'as bien aimé essayer de comprendre parce que pour moi il est assez clair. On démarche. Démarche c'est que sous disposer suspendre faire son affaire. Rester ou comprendre que le pas bon pour vous, il pas bon pour pays. Il n'est pas bon pour maman ou papa ou soeur, frère. Il n'est pas bon pour génération. Que ce soit fait excessivement grave, mais des manches que je voulais qu'on fait. Je voulais qu'on remette ça à mon moi et qu'on remette tout à l'autorité de l'État. Sinon, et ça c'est très important, l'État a marché lui-même pour le vin chercher. Et le ça, il n'est pas bon pour vous, il n'est pas bon pour personne. Donc, message là très clair. Donc, si je dis à vous fatiguer, si je dis à vous comprendre que ce soit fait assez détruire ton pays, si je dis à vous comprendre les conséquences pour nous toutes, et qu'on rend nous compte, et ça arrive, qu'on rend nous compte de l'effet que ça a gagné sur le pays, qu'on décide qu'on ne peut pas faire encore, mais dimanche là. Mm-hmm. Ça prend combien de temps? On dit qu'il y a un mois, il y a deux mois pour faire ça, il y a un an? Entre temps, depuis six semaines, on a pas organisé nous le plus rapidement que possible pour nous reprendre l'espace nous. Pour nous arrêter, et pour nous assurer que justice soit faite, pour nous assurer que réparation faite pour victimes, nous ne pouvons pas attendre personne. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, je viens, le arrivé, premier côté malin, c'est l'encamp des déplacés. L'encamp des déplacés, ça, moi, quand on est jeune, qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué que va à l'hôpital, parce que pas rien l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière et zone métropolitaine détruite. Immédiatement, je me compte que ça sont priorité pour moi. Il faut que je baille mon accès à service de santé. En moins de deux semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le ministre, pour nous tourner sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau, n'a pas retourné après une brèle par la sécurité en long et en
côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, premier semaine de un premier côté malais, c'est que mal visiter un soldat pour un bal, côté que épine dorsale est séparée pour un bal, mal pour un côté dans l'hôpital qui sous Delma. Comme vous arrivez, directeur de l'hôpital là, dit-moi comme ça, premier, parce que l'hôpital général là, dans la situation que l'il y a, nous complètement dépassé par les événements. Premier samedi ministre, c'est que faut joindre les gens pour que l'hôpital satellite ça yo, centre de référence satellite ça yo, renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça yo. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, c'est et c'est ça que fait nous même dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont gros partie l'investissement que nous fait pour que financement pareil pour que au fur et à mesure la récupérer territoire et quand vous voulez Johnny n'a récupéré nous qu'à restaurer l'état, ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population a retourné la caille au joigne. On garde qu'on va me dériver, c'est pas un concept qui était existé du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de sécurité que nous avons fait. Et je dis à nous bien ça. Donc c'est trois dimensions, si tu veux, approche là, que nous avons fait autant que nous capables. Et m'obligé dit ça, sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile. Parce qu'il faut comprendre que, à pile dans le ministère, au pari local, le ministère de l'Intérieur, je dis, à pari local, et bon staff qui est mobilisé. Pari local, parce que, bandit mettez, il y a d'ailleurs. Oui, dit ça, je dis, c'est qu'on comprend local, le bâtiment, oui. Oui, non, le bâtiment là. Le fait, c'est que pari local, puisque il va qu'à utiliser. Donc, il est obligé de rabattre à des dizaines dossiers, continuité, démoralisé, 25%. Ma pour organisation, ma pour agence qu'on au FNAC. Imaginons au FNAC, soit agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a gagné il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés, intervenus, pas là parce que vous quittez pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Encore une fois, Johnny, guerrier, nous pas là, excuse, nous font le travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, j'ai une demande pour nous, j'ai une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et quand il y a des m'a écouté nouvelle là, m'a partagé avec nos petites frustrations, pas. Moi, j'ai l'impression que nouvelle là, bail comme si n'a pas parlé de Koweït. Ou bien n'a pas parlé d'un autre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, son responsabilité collective liée. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, nous ne sommes pas rien avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de Gary Conil l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est Gary Conil, ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. C'est pas élite économique et politique comme les gangs. C'est pas politique qui kembe pays en otage pendant plus de 20 ans, qui pugé pays à travers la corruption. C'est pas l'absence d'organisation. C'est pas les trois dernières années. Allez. Qui est important, barre mes jeux couilles sous l'IA. Élite économique et politique qui a mes gangs. C'est ça, ouais. Dans tout ton sort de la nécessité, c'est sous ça pour te réduire pour nous. Comme on est le fragile. Nous avons un fragile quelque part où il ne doit pas arrêter sur lui. Mais le PM, vous répétez deux échelles qui font partie du problème. Parce que là maintenant, priorité nous la journée aujourd'hui, c'est sécurité. Comment résoudre le problème de sécurité? Et c'est ça la question. Pour résoudre le problème de sécurité, faut qu'on est qui sac baou en sécurité. Et cela me dit clairement, faut qu'on ait gain couille. Faut gain rein. Faut pas peur. Faut pas peur frapper, non papa. Est-ce que vous comprenez? Faut pas peur frapper. Haïti besoin de monde qui pas peur, qui pas jamais peur. Ou moins deux échelles qui extrêmement important. Élite économique, élite politique. Ah, papa. C'est qui baou gang à sa patte là. C'est deux échelles ça qui baou gang à sa patte là. Affaiblir gang à sa patte, je dis, c'est très facile. Maîtriser, ou bien appréhender, ou bien neutraliser oligarque corrompu avec oligarque politique ça yo, et puis automatiquement après,
quelque part action gang yo a limité. Soit qui très facile. Gros message qu'on voyait dans secteur privé des affaires là. Moi même n'était qu'à bon bourade. Il faut moins volonté à réel la caillou. Parce que qui s'est passé? Ou c'est haïtien malgré tout, ou c'est haïtien. Mais faut sous une volonté réelle. Sous pas peur. Ou a chita parler avec nous. Ou a dit nous mais ça qu'on gagne comme plan réel. Ou a dit nous très sérieux, n'a pas sérieux et n'a dit un PM mais qui connaît pour commencer. De pour tendre nous, ou commencer là en vérité mon Dieu, n'a dit tout diaspora haïtien non, campé bon côté. Mais là en tout qui t'ont entouré par des voyous et même élite économique qui finance gang ça, même élite politique qui finance gang ça, là qui c'est même yo même non, cap négocier pour mettre directeur général, pour mettre ministre, pour mettre tout le monde payant comme autorité, ça veut dire que même structure, le même système n'a pas régénéré tête, quelque part, on ne va pas faibli. Si grand monde qui a volonté, il y a Jovenel ou dans mi-temps. Et c'est ça. Est-ce qu'on est prêt pour affronter, monsieur? Si gars est prêt pour affronter, monsieur, n'a pas chita par la voix. Ou ap di nou oui ou prêt pour affronter, monsieur, n'a pas invité dans l'émission, n'a pas Boussa John, n'a pas Jimmy, n'a pas Foucault, n'a pas Tcheko, n'a pas tout le monde net. Et puis pour finir le pays, monsieur, dame, moi j'ai volonté pour m'aider le pays, mais ça que m'gagne comme contrainte. M'pa konnen. Peut-être que vous allez dire que l'État, secret d'État, tel bagage. Écoutez, pas qu'à un secret d'État pour des voyous qui attaquer l'État tout le temps. Non. Il faut que vous qui doit exposer sur la place publique. Parce que, monsieur, qui lève cette tête, je connais. Je connais ce qui a passé. Mais sous cachet tout, défait tout pour forme vase là. Ou pas qu'à épanier, non? Le goudou goudou nous a passé, papa. N'a pas dit diaspora ici, n'a pas fait monsieur confiance. Mais, bouche douce, en pile. Ou a filé moun. Ou a bay moun maï. Mais pas protéger volé. Montrer nos volonté. Exiger. Exiger de bagay fait. Campé pour dire chef de la police. Bah, conférence de presse comme chef CSPN. Dit chef de la police là. Moi besoin village de Dieu clean. Automatiquement fait ça publiquement. En vérité, mon Dieu, pays a senti que ou gen volonté. Et puis la police là a gen responsabilité. La médaille, ou passe au commandement la meilleure, l'ode. Ou est avant la même ma connaît. L'ode. Et puis comment le petit volant Kenya vin là, ou dit gade, mais c'est fout pied na terre. Ou devine là pour faire l'argent ou capou ka mourir tout. Mais faut fort que t'as. Al mourir pour faire l'argent. Ou bien tout est vagabond pour faire l'argent. C'est chef CSPN ou yé. Ma connaît, nous marquer couille. Nous marquer rien. An qui te PM n'a pas non. En face de ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable de argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous besoin de la presse. Besoin de la presse, aider à me rassurer la population, aider à le comprendre, aider à l'organiser pour défendre la tête, aider à nous utiliser, ban nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, ce n'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon Haïtien qui a mouru. Donc moi-même, on a fait plaidoyer par nous et nous trouvons que c'est tout à fait légitime. Mais moi-même, tout le plaidoyer, c'est attirer attention parce que. Peut-être probablement que doit pas, ouais. Ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou bien, ou décision ou bien, 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 policiers mieux font paquet d'efforts pour libérer zone hôpital là qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis aux médias le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'haïtien? Eh ben bon vérité c'est que au lendemain bandits étaient aux environs de l'hôpital là mais ils ont arrêté. Mais bandits ont toujours pas empêché bandits de tourner. Ça me garantit c'est que depuis qu'ils ont tourné il y a besoin de résistance. Ça pas dépend de nous, mais ceux qui dépendent de nous à nous faire et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital universitaire, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. Mais PPM, peut-être ça veut dire ou Guénois, on n'a pas partagé avant, c'est que information ça a libéré parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé. Même l'autre policier qui était dans l'espace l'hôpital là, t'es dit eux-mêmes, y'a pas en sécurité parce que blindé a ses protections, yo, les déplacer parce que t'es gagné en intervention qui t'a fait sous fort national. Donc c'est dans moment ça effectivement t'es gagné un pile tir de bandits dans zone l'hôpital général. Et de fait, moi-même, je dis ça chaque fois matin, chaque fois dans le journal là. Donc il n'est pas question que la police reprennent contrôle espace l'hôpital général.
Donc, faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là, jusqu'à Portail et Ogan. Au moins, qui t'a qu'à permettre que, moi-même, si m'zimbral, achetons médicaments, bon l'hôpital là, capable d'aller. Parce que me connais, bandit aurait été, y a en distance de moins. Mais question aurait été, tout simplement, en dedans l'hôpital là, il pas, il est utile à qui ça? Guerrier, merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc, tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que d'en poursuivre. Mais faut commencer en côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne vais pas arrêter 170%. Mais pas oublier que l'homme vient, c'est pas tout, c'est pas une priorité. Hein? Donc, ça me veut dire, voilà, oui, on commence par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, on est obligé d'élargir encore une fois, avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc, c'est chaque jour qu'a passé que n'a pas reprendre un plus gros périmètre. Mais, définitivement, je crois qu'il faut qu'à quoi même, que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête-li comme urgence, ou bien l'hôpital là, ou bien pays là, l'accès à des soins de santé. Je vais aller vite parce que je vais aller dans la Tibolite PM, mon yo plein, yo ti yo refocus là, plus souris, je vais tout pour l'Italie, alors que là-bas la Tibolite, la situation pas bon du tout. Situation en mangomè, de que je connais comment le gouvernement travaille sur ça, qui est sur force là pour nous faire là, etc. On a les alors, dans ce qui concerne les forces là, il y a deux contingents qui Kenya qui n'a pas eu, des mondes qui ont dit ça y a réglé, hein, qu'il reste ces troupes là à venir, connaît-il tout de d'autres pays qui étaient annoncés à envoyer soldats ou policiers dans forces là, matériel avec l'argent dans quatre missions, dans quel niveau nous y nous au niveau côté que jusqu'à présent nous évaluons, nous jouons que un bon engagement. Mais là encore, qui est des choses que nous pas contrôler nous-mêmes, engagement pas aussi rapide que nous derrière même. Donc, une responsabilité, nous, justement, c'est à faire plaidoyer pour dire tout partenaire ça qui prend engagement depuis plus d'un an, que le moment est maintenant, que la population haïtienne ne peut plus attendre. Donc, nous l'avons cadre Gounia, à côté que nous discutons pas plus tard que hier avec ambassadeur, à pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec ambassadeur des États-Unis, au président permanent des Nations Unies, sur justement urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tout partenaire bilatéraux, moi-même personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sous financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, Gounia, à une fois première évaluation. Nous vraiment espérons que dans les prochaines semaines et après eux, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter du bail qui est très important. Je ne pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne pas ça. Je trouve que y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que ce n'est pas moi, 10 000 va passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons ensemble jeudi, on a réalisé tout ça pour réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chiter attendre, nous n'avons pas avancé avec nous. C'est ça que je suis très fier de M. Policier aujourd'hui, qui lui a fait l'opération, il a fait. Maintenant, Kenya est clair, tout qui l'a eu, des contingents qui l'ont déjà très actifs. Il a patrouillé la route avec la nuit avec la police là. Il a aidé sécuriser des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il a très certainement impliqué en appui à la police là dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous besoin. Mais j'en dis, nous obligés à avancer. Le nous senti que, un, opération a minimisé les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. Deux, à permettre que la police là lui-même n'y pas à prendre des risques qui sont inutiles. Trois, tout gain nous fait, on a qu'à consolider. C'est comme ça, opération, ça a fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous, pour nous des idées, tout sous question. Nouvelle équipe, ça a hérité d'un ensemble de contraintes. C'est pas la population qui dira le contraire, monsieur le premier ministre. Mais bon, c'est de bagaille, si vous t'es fait, vous t'as bêté, on a qu'à signal qu'à vous pour volonté pour résoudre le problème et sécurité à regarder. Jeudi à la conseil présidentiel transition, dans tout document qui est écrit, d'ici à jour, c'est pas le national. Yo pas qu'à aller parler de la soudain, yo décidé pas aller, m'a pas pour mon plaisir. C'est parce que tout simplement, palette est une menace dans le jour. Et jusqu'à maintenant, beaucoup. Ministre intérieur, là, ministre intérieur, là, ou même, ou titulaire, ah, il est. Vous comprenez, bon, nous avons dit, depuis qu'il a descendu en bas, il travaille normalement, etc. Alors, ce que vous me dites, quoi, que ce soit parler de
absentéisme dans le niveau administration publique, vous avez considéré comme tel, vous n'avez pas descendre. Vous posez une question à tout le monde. Vous descendez. Vous soit aller dans le ministère intérieur. Encore une fois, question légitime, mais il est revenu à la question initiale qu'on dit. C'est que il y a des ressources qui sont excessivement limitées. Si je sécurise le périmètre, je suis obligé de déplacer des forces que je peux utiliser autrement, justement, par exemple, pour me voir grossir. Donc, c'est choix ça qu'on fait chaque jour. Parce que faut nous comprendre, chiffre 7000 là, il va suffire. Si on prend un exemple d'autre pays, il faudrait pour pouvoir sécuriser, même par une zone comme la zone métropolitaine exclusivement, mais le pays, trois fois plus de policiers, plus l'armée que je n'ai pas. Donc, il y a des choix stratégiques que la police fait sous la base de l'intelligence qu'on gagne, sous la base de risque qu'on gagne, sous la base de l'équipement et capacité qu'on gagne pour déployer, j'ai eu qu'à déployer globalement nos sécurités. Même moins qu'à dire, effectivement, parmi les priorités, c'est de reprendre la zone administrative, de sécuriser l'hôpital, ça fait partie des priorités. Donc, c'est au fur et à mesure. Encore une fois, nous sommes dans des lits, l'hérité d'une infrastructure qui va approprier et nous demander de faire miracle avec. Et malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, on a regardé pour nous comment nous avons maximisé l'infrastructure nous gagnons là, comment nous avons maximisé l'accompagnement que nous gagnons, comment nous avons cherché l'autre asset que je dis, qui parle en jouet là, pour nous capable de faire la population, ça l'obtenir de nous. Nous avons pratiquement fini, monsieur le premier ministre. Vous parlez de considérations faites pour attaquer Gagnon, mais il y a des gens qui sont capables de dire des rapports internationaux, d'occupation qui démontrent que Gagnon, même, n'est pas formé de parler eux-mêmes, il y a des mains, qui soit dans le secteur politique là ou bien dans le secteur privé qui participe d'alimenter, est-ce que vous autres, dans le plan de guerre pour une bataille pour la sécurité, nous on voulait pour attaquer, mais d'avance surtout, soit dans le secteur privé ou bien dans le secteur politique là, qui te soit contribué ou bien qui continue à alimenter le gagnant en amoyant. Écoute, absolument. Nous ne pouvons pas arriver là pour compte, non? Et ce serait une erreur de croire que seul le monde qui est responsable, ça n'a pas vivre là. Je dis, évidemment, qu'on y a en première ligne, c'est ça. Mais éventuellement, il faudra que les responsables aient leur moment devant la justice. Il faut que nous allions dans le fond. Et pour qui ça, c'est parce que pour ne pas jamais retourner côté nous y a encore. Et c'est ça, l'engagement. Évidemment, moi-même, nous gagnons 17 mois. Et agenda et mandat, ben, excessivement limité. Et nous-mêmes, encore, nous sommes dit, excessivement ambitieux. Et une des priorités, c'est de rétablir un minimum de sécurité physique et d'avancer rapidement vers les élections pour que le 7 février, sans faute, nous avons un gouvernement élu. Donc, c'est ça, premier engagement. Mais certainement, pendant la période de transition, ça, on a fait tout ça, on est capable de faire des mises en place. En tout cas, vite, nous parler là, nous avons bien 22 mois, on a bien respecté. Premier, ça me fait, c'est que mal rencontré expert qui l'a conseil électoral, là, mandé au pour Obama, on calendrier à rebours. Donc, pour le travail, même, sous si font une élection le 7, qui ça vous faites, qui le pour élection faite, qui le pour constitution, qui le, et qui le pour un minimum de sécurité. Pour nous avancer. Sous base analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si objectif réalisable ou pas. Évidemment, pour répondre aux questions de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile discussion qu'a faite là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je peux considérer comme un échec énorme, c'est qu'on arrive en novembre et qu'on n'a pas gagné l'élection, ou bien qu'on arrive le 7 février et qu'on n'a pas gagné des élus. C'est pour ça, c'est une priorité. Nous, SCPT a travaillé sous conseil électoral là, mais espérer qu'on a bien très, très vite. Et puis, me promettre nous que je vais retourner devant la population pour me dire, mais ça, nous a fait réalistement. Mais dashboard, mais calendrier pour nous monitorer. Et le ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes, nous avons carré pour nous. Pas gagner l'élection, ça. Sécurité, si route principale est toujours bloquée, puis on est dans pour ça, on va concentrer tout ça, parce que les gens qui ont écrit la paix, on va demander qui est route Gros Sud d'Ab débloqué, qui est route Canada débloqué, qui est on a capacité pour le tabou d'aller. C'est ça, vous voulez, et vous avez raison. Et vous avez raison là demande. Vous avez raison, vous faites preuve d'une patience extraordinaire, et moi, je comprends et je compatis. Mais de l'autre côté, tout, il faut. Fait autant d'émissions sur le fait en DA, expliquer où ça nous-mêmes nous hérité, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Moi qui déplace, je suis sur les sélecteurs. Et rassurer, et justement, déjà là, on a fait l'évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous a fait en termes de préparation. Avant CEP à Vinchita, nous déjà entrepreneurs, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, il y a déjà en cours. Mais, demandez-nous, nous promettons. Que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, en chita avec nous, pour me dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de la période que je vais moins pour vous. Ah bon, allez. Alors, magistrat de Bouillon, on a parlé de paquet CO qui gagne 2 semaines depuis qu'il est en grève. Donc, je me demande, est-ce qu'au courant, si oui, de concert avec le ministre de Justice, qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et, on l'autre question, il y a une organisation, Droit Monde, qui dit, moi, des PM, non, chiffre 50% membres gagnent, c'est t'as des mineurs là, à côté de Joigny. Est-ce que tout, c'est pas, on base, on a cherché
dans niveau pire au niveau l'État pour qu'on capable al chita parler négocier à gagner l'en dit que 50% dans membre gagner aussi mineur. Donc deux questions, question grève dans niveau magistrat de Bouyo de paquet CEO et 50% encore une fois m'pa ko rien dans comportement qui montre que m'a chercher parler. OK, moi-même ça m'a chercher faire c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que moi reprendre territoire. Ça question ça pas sortir l'autre côté qui dans Pierre qui dans équipe expérience là. Et bien expérience là même tellement comme si parce que son chef de gang qui dit il pas veut gang. Mais par conséquent, il y a des gangs privilèges, il y a des gangs pâles. Il y a des gangs pâles, il y a besoin pour faire, pour le protéger, mais pour éliminer tel groupe de gang. Je dis un plus gros problème, tout le monde qui a mes gangs dans le pays, il y a des problèmes barbecue. Il souffre de maladie barbecue, parce que barbecue, il y a un plus gros coup dans le dos. Plus gros coup. Parce que imaginez, tous les effets de gang criminel, ça, c'est qu'on a exécuté pour l'argent dans le pays, pour les politiciens, pour des hommes d'affaires dans le pays. Je dis un. Au niveau kidnapping, alors, réseau kidnapping qui est monté à kidnapping, nous rançonner mon nom, il y a une capacité économique extraordinaire. Ça vient de yon, ils ont une dépendance tête chargée. Kounya, yon vin, quelque part chef gang, ça yon même yon vin peur mourir tout. Parce que vous volez l'argent, vous avez envie de jouer l'argent. Non, il se passe sale côté yon caché. Kounya, yon pas envie de faire job sale pour les gars. Vine jouer nos barbecue du Michelizier qui transversal quelque part, qui parle avec tout secteur. Qui a une capacité qui parle avec tout nèg, ben nèg conseil. Nèg autant de raisons? Qu'on a tout gang yon font cette plateforme. C'est gros bagay, oui. Tout gang dans la zone métropolitaine mettent yon ensemble. Qu'on a politicien presque pas une gang pour utiliser. Barbecue sont mélangés. N'est-ce que estime que si barbecue mouri, je dis, y a pas fait gang yon et goumen, j'ai ou te kont goumen encore. Mais premier cible, ah bah, l'irele Jimmy Chérise barbecue, Pierre Espérance, besoin éliminer barbecue. PM Gary Koni fin balé. On qui pour arrêter et nous veut bailler pays à tranquillité. Donc question que tu poses c'est si eux même yo veulent une conversation moi dit maintenant qui condition. Donc il t'a pas chercher ça. L'état lui-même a travaillé pour que li reprenne territoire, li arrêter moun qui pas gain droit de droit, li bailler moun qui gain justice, moun qui besoin justice, c'est ça comportement l'état. La question que tu poses c'est que si en face ou bon mais ça pour passer avant. Mais deuxièmement, UNICEF gain que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs selon indicateur nous gagne qui c'est des petits moun jusqu'à 12 ans l'autre jour encore quoi nous bailler un rapport d'un petit moun 12 ans que bouler dans de mauvaises circonstances. Donc son composant important lié et là a fait type d'opération ça on pas pas tenu compte de ça l'opération. On pas traiter un petit moun 12 ans, donc on traite un adulte. Ça son réalité que vous comprenez qui met monde mal à l'aise mais son réalité côté que un monde qui est responsable un monde l'état qui est responsable obligé et mettez facteur là-dedans on pose un bouton pour gaffe pas que tu es tout à fait au courant de ça comme ministre de la justice a travaillé activement avec vous pour joindre une solution de compromis et n'espérer que dans les prochains jours son situation cap résoudre mais m'inviter nous tourer pour nous beaucoup plus de détails sur ça et on voit nous dans une situation économique là nous avec un grand vous dans la rue il y a rien la riche on voit une question gaz là nous sommes monté là des fois nous avons fait toute journée mais on va faire des bases toute journée mais son première conversation et me dit non entre temps nous mettez public qui ça nous quoi comme priorité nous pour faire grand goût pour faire redressement économique pour faire relance économique pour faire déplacer tout ça public ou garder et très bientôt tout on va que chaque ministère qu'on a retourner une joindre nous pour nous exactement ça on va le faire dans les prochains jours dans les prochaines semaines dans les prochains mois donc on va garder pour exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que c'est souvent la fête ça avec nous mais nous espérons nous fait fort pour nous poser l'essentiel mais nous pas poser toutes questions parce que vraiment ouais auditeur poser plus que je passe c'est normal c'est le premier temps c'est une préoccupation vous comprenez mais sauf que dans la nation là on te dit il y a des mesures concrètes qui là puisque nous avons fait plusieurs semaines à travailler avec la police avec l'armée comme pour annoncer des opérations musclées peuple là je s'attendre qui les envahissent des outils services renseignement on travaille avec etc. Mais vraiment dernière question parlant de renseignement est-ce que c'est vrai c'est ces vraies formations qui fait quoi que Gary Koni comme premier ministre vient là il rapatrie tout moyens d'argent de toutes les façons encore une fois moi-même moi connais que son que là la Radio Caraïbe et on connaît c'est des journalistes
Et me connaît que des journalistes pas fiers à rumeur, etc. Et moi-même, personnellement, je ne réagis à toute qualité de rumeur, bagaille, autrement, ouais, laisse avril, je ne vais pas me occuper de sécurité. Mais il y a longtemps de tout, ou quand on essaie de réfléchir, vous pouvez essayer de ça sous-même, et vous pouvez répondre très clair devant. Quelle est la médaille qui est actif? Nous promettons que dans les WAP, sentir très très vite. Ça, nous promettons tout ça. Nous travaillons. Et il faut travailler en coordination avec la police. Nous faisons rencontrer, nous faisons impliquer à deux dans la planification stratégique. Et nous promettons que nous allons sentir ça très vite. Et Johnny Guerrier, vraiment merci. Merci pour le travail en affaire. Merci pour le jeune affaire là. Merci parce que nous avons une dépression sur le dirigeant. Vous avez délivré. Merci le fait que nous aidons à nous communiquer. Même d'ailleurs, mais ouais, nous tous un peu plus engagés dans l'idée des populations à comprendre que sécurité n'est pas là à faire la police seulement. C'est là fait tout le monde. C'est là fait tout le secteur. C'est ça fait secteur privé. C'est là fait. C'est pas parce qu'on est plus ou moins confortable dans la zone Pétionville là. Pourquoi que ça cap passer en bas ou à peut-être la police? Donc, nous besoin. Même si on a pas la Tibonito. Exact. Le bas la Tibonito se pose une question. C'est une gros priorité pour nous. Ou mettre quoi, moi, n'a réfléchi pour nous comment nous allons être sûr, mais n'a pas été sûr. Et le mot, parce que nous avons comparé avec le passé, c'est pas seulement entrer à la fond opération et puis ensuite nous tourner et puis dans 3 mois nous tourner. Fort capable de faire opération et bien ensuite fort capable de consolider. Et consolidation, on demande un peu plus de réflexion. Monsieur, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes disponible pour te répondre à une question. Radio-Télévision Caraïbe, nous excusons auprès de une quantité vraiment d'auditeurs et d'internautes. Quand vous avez une question, nous, c'est dommage, pas de chasse faire. Voilà. Et ça, avec ce que nous espérons prochaine fois. L'envenir, mais ça c'est auditeur qui pose aux questions, nous-mêmes n'avons simplement sa vie d'intermédiaire. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, c'est un plaisir. Dans le doute sur information, s'il te plaît, service de presse, même fondamental, tout que son gouvernement est excessivement transparent, service moi là pour vous renseigner, nous, pour vous donner information. Avant de courir avec vous, je suis à votre disposition pour m'assurer que nous avons la bonne information. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée, monsieur le Premier ministre, pour le Caraïbe FM. Voilà, merci en pile. Et justement, c'était. Premier ministre Dr. Garikoni qui était dans l'émission, Johnny Ferdinand et Guerrier. Alors, je remercie, je salue Johnny et avec Guerrier qui font belle émission. Mais si même jamais vous dire, il y a un pile question et qui peut-être. Alors, population, quelque part, pas d'abjam pas été sous soif. C'est toute question que d'abjam qu'a fin posé. Même parce que ça qui était. Plus important, c'est que c'est connaître comment le monde qui est dans le sud a rentré Port-au-Prince avec facilité. C'est qu'on est moun ki nan nord a rentrer Port-au-Prince avec facilité. C'est qu'on est moun ki nan Port-au-Prince a capable rentrer faut pas ici mal passe avec facilité. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Yon moun plateau central Belader cap connaît comment la faire mon cabrit sans problème. Yon moun ki t'habiter la plaine, moun ki t'habiter dans zone Lison cap connaît est-ce que la capable vivre la kaili, chez te kon vive. Yon moun ki t'a chanti tête qui te construit belle tikay dans zone et capable dit non. Et dans une meilleure, quoi de bouquet, la connaît est-ce que le carton est la calibre pour la vivre? Et c'est ça la question. Et ça que le peuple a besoin comme solution, ok? Dans tout problème qui lui-même la bagaille. Mais naturellement, nous connaissons les gangouas déjà. Gangouas là depuis longtemps. Pas d'abjam bagaille gangou, parce qu'il nous pas produit rien. Mais qu'on y a, nous avons résoudre pour l'autre problème, après que nous finissons résoudre le problème de sécurité. La question, ou du moins, premier bagaille en priorité, c'est que, faut que c'est sécurité d'abord. Vous comprenez? Alors c'est ça. Et moi-même tout naturellement j'aime dire n'a continuer mener bataille là. Et nous pas gain support pour nous bailler yon moun, nous gain support pour nous bailler yon pays ou fait ça qui bon. Bravo, ou fait ça qui mal. Nous Drisso, souffle l'étendez, nous donne ça très bien. Nous pas gain pour nous peur, nous fait la paix avec la mort déjà. C'est que pas gain l'autre possibilité. Haïti dans coma. Haïti besoin seul bagaille comme sérum. Sans petite li. Qui haïtien qui prêt pour bailler sans le bois Haïti? Et c'est ça seulement nous besoin. Haïti besoin qu'on ait qui petit qui vrai petit lio. Et dans l'état pays là, li gon facilité pour identifier vrai petit lio avec faux petit lio. Ou du petit Dessaline ou même Boutère, est-ce qu'on prêt pour sacrifier pour Boutère ça? Qui sort prêt pour bailler? Qui sort prêt pour faire comme sacrifice? C'est ça qui est important. On gonfler poyet nous, on gonfler veine nous, on mettre main pour pays capable sortir dans ça quelle nouvelle là. On gonfler poyet, on gonfler main. Haïti besoin nous. Faut que nous aider pays à sortir dans ça. Trop souffrance, trop douleur, trop calamité. Et Haïti besoin sortir justement et dans ça qu'elle trouve là. Docteur Gaï connait nous tendre l'ampile intervention hein. Nous tendre tout ça qui dit. Nous gagner l'autre point, nous pas prétend aborder dans académicien hein. Mais m'a dit nous que n'a continuer mener vraiment bataille là pour nous permettre que Haïti
sorti là ça qu'elle trouver là parce que si Haïti pas pas mettre là qui est-ce qui mène là et si c'est des monde qui mène là qui ça fait monde pas retirer là et ben moi me dis clairement si c'est monde qui mène Haïti là et ben monde capable retirer tout c'est monde qui mettait payer dans état ça monde capable retirer dans état qu'elle trouver là et ça ça qui c'est ça qui est important pour nous ça que tout monde doit mettre main pour que nous garder comment pour nous t'avoir aider pays à sortir l'entre difficile effectivement qu'elle trouver là Gary Pierre Paul Charles moi mon pile mais bon ensemble avou vous faites attention ça nous pas critique nous contentons d'elle au contraire nous contentons d'elle nous invitons pour continuer parce que ou connaît monsieur yo me sent envie dénoncer yo mais vinn jeune nous Gary parce que devant ça mon yo remel yo critique envers ou même moi parce que qu'on ont contribué dans des nèg mettre pays là c'est clair c'est évident parce que qu'on admettre les tout et sous près de admettre les pays a plus près comme si m'a dit pour attendre ou mais on ca dénoncer au Gary Pierre Paul Charles yo matin bon Dieu bénis nous question corruption faut ça fini nous gêner dans pays ça ouais pour nous voir comment à visière levée des hommes et des femmes qui sont appelés à promouvoir la démocratie. Des hommes et des femmes qui sont appelés à porter le changement dans ce pays misérable. Mounsayo, il a pérennisé ce système-là et il a fait le peuple souffrir. Nous rappelons bien, parlementaires dans le pays, ça, nous langage de partage de responsabilité. Partage gâteau. Tu es toujours exigé à pouvoir exécutif là, à la présidence, à premier ministre pays ça. Faut que même comme parlementaire, vous participez dans la décision pays ça à prendre. Vous forcez la main à président qui fait campagne qui gagne. Vous forcez la main à la primature et vous gagnez des postes de responsabilité en un pays ça. Ces parlementaires ont pillé la BN. Voléo. Ils ont pillé la douane. Mm-hmm. Pour la BN, il y a un parlementaire qui a eu même un bureau. Hervé Foucan. Au niveau de la BN. Oui. Chaque matin levé, au lieu d'aller au Parlement, là, l'épito. Dans APN, dans Chita, là, le contrôler comme un cob cap entré. Parce que c'est lui qui t'est proposé directeur général APN. Ils ont fait même bagarre dans la douane. Côté des députés, des sénateurs, ont cassé les caisses de la douane. Ils ont refusé catégoriquement de payer taxes. De parlementaires, ils se sont transformés en contrebandier. Ils ont distribué des armes dans les quartiers populaires, que ce soit à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine, que ce soit dans la ville de province. Et nous avons vu qui j'ai eu gagné l'élection et qui j'ai eu crasé le bureau. Ils ont fait dans l'Ouest, ils ont fait dans Grandance, ils ont fait dans le centre. Vous faites dans la Tibonite, vous faites un peu partout. Mais de côté, vous faites moins. Et à preuve, vous avez des parlementaires qui n'ont pas même qu'à rentrer dans le Parlement parce que l'élection est obligée, faites en retard parce que vous êtes gâté. Il y a des zones rouges. Où sont-ils aujourd'hui, ces parlementaires? À première vue, ils ont été, pour la plupart, sanctionnés. Que ce soit des parlementaires du plateau central, de l'Artibonite, de la Grandance, du Sud ou du Sud-Est, sanctionnés pour des raisons diverses. Où sont les députés? Ils ont sanctionné, ils ont arrêté, ils ont fait prison, puis ils ont libéré. Ils ont des députés. Ils n'ont pas député encore, ils viennent des brokers, tellement ils ont monté des institutions pour y aller
piller la douane pays ça. Quand président ou considéré ça vivant yo, pour la plupart comme paria, quand président ou yo tué yo, quand président ou gen président qui ferme comme si yo prisonnier. Quand premier ministre, je ne j'en dis pas, il est au nom pays expulsé. Quand premier ministre, yo voyage, yo quitte yo là-bas. Yo organise un coup d'état contre yo, contre premier ministre. Gagné qui en exil en République Dominicaine après avoir pillé la République. Après, au fin volant comme paysan. C'est ça, oui. Après, au fin volant comme paysan, détruit paysan, fin avec paysan, beauté comme l'an par million, à investir dans l'immobilier. Ça veut dire qu'il a construit caille belle, caille Dominicani. Fait la Dominicani belle. C'est malhonnête, monsieur. C'est grave, n'est-ce pas, de prendre sous place publique. Parce que c'est des méchants. Yo criminel en pile. Aïe, monsieur. Mais même dis-nous, vagabondage là, faut le finir dans le pays. Parce que le n'a pas toléré politiciens vol, les politiciens gang, politiciens méchants, qui a fait nation ça mal. Et puis n'a pas joué avec eux, pas joué avec eux, pas bêtise avec eux. Pas bêtise avec eux. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, ils sont pas sérieux, ils sont pas honnêtes, vrai. Ils sont raillés pays. Politiciens haïtiens, c'est premier ennemi pays d'Haïti. Et c'est ennemi peuple haïtien. Et c'est des menaces pour nous-mêmes comme peuple. Si nous voulons ça changer, quelque part nous devons prendre des stènes en main. Ça, c'est des exemples clairs pour nous permettre que le pays ça change. Nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi. Nous sommes criminels en pile. Nous sommes méchants en pile. Faut que nous fassions des choses. Faut qu'Haïti change. Nous ne pouvons pas tolérer n'importe quoi. Faut qu'il y ait des décisions drastiques qui prennent. Il faut qu'ils nous organisent comme peuple. Nous ne pouvons pas tolérer n'importe quoi qui fait dans le pays. Situation à vivre la journée aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Non, nous ne pouvons pas continuer. Faut que nous sortions. Faut que nous sortions dans ce que nous venons. Parce que nous ne pouvons pas quitter le pays à continuer comme ça. Avec ça, nous avons fait là. Non. Nous ne pas capables. Faut que nous des décisions drastiques qui prennent. Haïti souffre trop. Nous avons fait payer trop mal. Nous avons sorti. Mais c'est main pour nous mettre. Et puis nous mettons main, je garantis nous. N'a pas sorti pays à dans ça. Situation difficile, c'est vrai. Mais c'est goumen. Pour nous goumen. Garibé Paul Charles, ou prêt pour dénoncer? Ça, tu capable de mettre par les garçons. Que ce soit à Port-au-Prince, à la zone métropolitaine, que ce soit dans la ville de Provence. Et nous avons vu qui j'ai eu gagné l'élection et qui j'ai eu crasé le bureau. Yo fait dans l'ouest. Yo fait Gredens. Yo fait la Tibonite. Yo fait dans le centre, yo fait dans le sud, dans la Tibonite, mm-hmm. Fait un peu partout. Mais et yo sanctionné volo yo. Et à preuve, ou est gen de parlementaires qui pas même qu'à rentrer dans le parlement parce que l'élection était obligé faite en retard parce que t'es gâté. Il y a des zones rouges. Où sont-ils aujourd'hui ces parlementaires? À première vue, ils ont été pour la plupart sanctionnés. Que ce soit des parlementaires du plateau central, de l'Artibonite, de la Grandance, du sud ou du sud-est, sanctionnés pour des raisons diverses. Où sont les députés? Ils ont sanctionné, ils ont arrêté, ils ont fait prison, puis ils ont libéré. Ils ont des députés. Il n'y a pas de député encore, il y a des brokers, tellement il y a monté des institutions pour y aller piller la douane pays. Quand président ou considéré ça vivant pour la plupart comme paria, quand président ou, il a tué, quand président ou, des présidents qui ferment comme si il y a prisonnier, quand premier ministre,
Je vous dis, il est au nom pays expulsé. Quand le premier ministre, il a voyagé, il a quitté là-bas. Il a organisé un coup d'État contre lui. Quand le premier ministre, il a gagné en exil en République dominicaine après avoir pillé la République. Président de la Chambre n'a caché. Président Sénat sanctionné. Donc, nous sommes dans une situation de corruption généralisée dans ce pays. Et puis avec le blocage, le blocus d'Ariel, nous nous sommes dit enfin, Dieu du ciel, nous pourrons gagner un nouveau pays, nous pourrons prendre un nouvel élan démocratique. Avec l'installation du CPT, on a remarqué que c'est la continuité du système. Nous disons non. Je dis à fond, nous écrit ça. Nous voyons ce qui a passé en République dominicaine. Nous voyons qui je paye ça. Politiciens a payé changer pays. Et puis ce que nous avons remarqué, c'est qu'en fait, les membres du CPT, avec le chef des partis politiques, ils ont négocié le ministère de l'Agriculture, entre guillemets, vendu. Ils ont négocié l'éducation nationale et le ministère de la Culture, entre guillemets, entre les mains d'un seul conseiller. Ils ont négocié le ministère de la Défense, entre guillemets, entre les mains d'un parti politique, et c'est le représentant de ce parti qui a eu des démêlés avec le Premier ministre chez Gérald Gilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est estimé qu'avec 2% du budget, il n'y a pas assez d'espace pour le bail employé le couple travail, pour le bail jeune parti politique au travail, et pour lui-même tout pour le faire comme. C'est une honte. Donc, tout se fait pour de l'argent. Et les conseillers n'ont même pas honte. Ils n'ont pas peur.